Bonjour tout le monde, ici Pika Puff QC pour un épisode de God of War Ragnarok. On est dans le village des nains. On essaie de trouver Durlin et c'est ce qu'on va essayer de faire. On ne doit pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut frapper aux portes pour demander notre chemin. Pardon de vous déranger. Vous voulez nous vendre quelque chose? Décampez! Si vous ne vendez rien, décampez! Où est-ce que je m'en vais demain? Attention, où est-ce que je tire avec ça? Parce que j'ai hâte d'en réveiller une couple. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance moins subtiles. 2/6. Bombe incendiaire de Grieppe. J'ai bon nombre de regrets concernant le temps que j'ai passé à Svartalfheim, mais de tous, le plus grand concerne sans doute Grieppe. Grieppe est une scribe naine incroyablement courroucée. Ses traités enflammés sur l'impérialisme financier d'Odin auraient fini par conduire les nains à la rébellion. Eût-elle continué à les distribuer? Dans sa maîtrise des mots, elle était au moins mon égale, et sa passion et sa fureur inspiraient le respect à quiconque la lisait. Lorsqu'elle eut recours aux bombes incendiaires pour réduire ensemble les camps des Ases, d'autres l'ont suivie. Malheureusement, l'inconvénient à se faire clairement entendre, c'est qu'on est facile à trouver. Les Ennedjar toléraient sa propagande, ses incendies nettement moins. Lorsqu'elle fut prise, elle disparut avec l'intégralité de ses écrits. Je regrette de ne jamais l'avoir rencontrée, je pense souvent à elle. J'aime à penser que nous serions amis si elle me connaissait tel que je suis aujourd'hui. C'est quoi, ils sont cachés dans les roches puis ils bougent pas là? C'est quoi ça? Il nous faudrait un équipement spécial pour utiliser ça. Ce que je crois, je puisse, c'est ce que je comprends. Bien faites mal, celle-là. Pourriez-vous? Non! Merci! Viens,
Je pense que je vais à la bonne place par là. Chicken. C'est-tu des poulets innocents? C'est débile. Tuez-moi quelqu'un. Arrêtez-moi. Excusez-moi, mais nous on cherchons... On n'a rien pour vous. Quoi que vous cherchiez. Pas de nourriture, ni de bonnes paroles. Rien du tout. Déguerpissez. Mais pas faim, lui. Leur attaque plongée est assez puissante pour briser ta garde. Tu peux l'interrompre avec un lancer d'armes bien placé. Peut-être que je n'ai même pas vu faire une attaque imbloquable, fait que ça va bien. Hein. Ok, fait qu'on va aller par là. Il devait y avoir une rivière ici, ou quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des poissons. Ça pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Toi. L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades d'une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal, mais il a raison. Très bien. Est-ce que c'est lui ? C'est très joli et coquet. Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez... Passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille ? Plus tard, mon frère. Une side quest ? C'est notre première side quest, nouvelle entrée de connaissance Raeb, affichée dans le codex. Un personnage important. C'est un allié ou c'est une stèle de connaissance? Non. C'est pas une ennemie. Wait it. Raeb, ce nain est le propriétaire de la taverne de Niovaelir. Il s'est montré coopératif et nous a dit dans où trouver Durlin. Il semble en vouloir à Mimir. Son établissement est trop petit et pas assez accueillant. J'espère qu'il est meilleur musicien qu'aubergiste. Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant? La tête. J'ai de la peau. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Au service d'Asgard.
arrêter les tours de forage. Genre de side quest, c'est parfait. Ça, moi j'aime ça les side quests. On sort de ça, mais nous, il faut sortir de ça. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref, tiens, et sois prudent. C'est quoi ça? C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Une boussole. Oh! Boussole et carte. La boussole des nains et la carte peuvent vous guider vers des objectifs. Appuyez sur le côté gauche pour consulter la carte. Zoomer, dézoomer. Oh. Marquez les lieux à votre boussole en les survolant et appuyez triangle. Appuyez sur L3 pour centrer. Okay. C'est bien. Viens, il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là que je pense, mon frère. J'ai vu un quai là-bas. Il y a peut-être un bateau qui nous permettra de rejoindre Durlin. C'est quoi cette mini-maison? C'est quoi ça? En fait, non, c'est pas une mini-maison, c'est juste une maison de nain. Je ne tuerai pas d'autres poulets. Je suis un petit peu excessif dans le... dans la destruction. C'est une affaire à bière portatif. Wow. L'accès mystique a été ajouté à la carte. C'est cool. Puis on a un bateau. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Nous devrions nous en approcher. Ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel.
J'ai toujours le temps, mon cher. Ou juste. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Ok, fait qu'on a une tour là-bas. Alors, par où on va? Non, on n'a pas de tour là-bas. On a trois tours. Quête principale. Ça, c'est toute une quête annexe. Cool. On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. Rosée de jeu. Hein? Ressources uniques. Mimir, c'est toi qui as fait construire toutes ces tours ? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, quelque sorte. Une tour, là. Père, est-il toujours moral de tuer une créature qui cherche à te tuer ? Oui. Tu as ta réponse, petit. D'abord, une plage, pas. Des tours de forage est ici. Voilà la fumée au-dessus de nous. C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons l'arrêter. Il n'y a personne qui a pensé à arrêter ça avant. Tour de Modvinir. Si les nains n'aimaient pas travailler pour Asgard, pourquoi ne pas arrêter ? Et ensuite, leur nouvelle forge empoisonnait les sols de Svartalfheim. Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture, ils devaient l'acheter à Asgard. S'ils avaient arrêté de travailler, ils se seraient ôté le pain de la bouche. Ah, oh, c'est rusé. Et affreux. Il faut vraiment pas qu'il me voie. Comment ça peut y aller? T'as une façon de descendre. Calamité sauvage. Quoi ça? Des migraines de Muspelheim. Mène à l'arène de combat qu'on a vu la dernière fois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois que j'aimerais bien relever le gantelet de Surt. C'était amusant. C'était de l'entraînement. Tu ne t'es pas amusé? D'accord. Bien. Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine. Quand elle sera à nouveau complète, nous verrons où elle mène.
Calamité sauvage, les sangsues, voilà ce que c'est. Doté de plusieurs rangées de petites dents pointues, qui leur permettent de s'accrocher à leur proie et d'en aspirer l'essence vitale en un rien de temps. Pour peu qu'elles s'y mettent à plusieurs, l'acide ne fait pas long feu. Ce qui pousse la calamité à être telle nuisance me dépasse. En toute logique, je me dis qu'elles doivent avoir un rôle à jouer dans les écosystèmes, mais c'est une excuse que j'ai du mal à accorder à ce satané vermine. Le creuset commence. Il va pas de ça. Comment tu fais pour l'éliminer? Faut-tu que je le pogne avec mon fouet? C'est quoi? Cela nous éclaire-t-il? Nouvelle salle de connaissance, avertissement. Si vous pouvez lire ces mots, remettez-vous au travail. Formidable. Oh, attends une seconde. Je pense que je sais comment. Des runes, toutes les affaires que j'ai besoin. Parfait. Oh, c'est quoi ça? Traverser maintenant. À gauche, mon frère! Quelle créature ennuyante. Je suppose que si je le tourne encore plus... Ça me permet d'aller là. Même ces armes-là.
C'est quoi cette affaire-là, sacrément? Déjà pour faire mon assistance d'habileté. J'ai comme. C'était quoi faire mon habileté? Ah, il fallait que je passe sur Corey. C'est ce que je garde. Je suis mort dans ce jeu-là. Intense. Tellement de fouet, là, ça n'a pas de sens. Ces calamités sans aucune retenue. Il nous suffit d'éliminer. Mis à terre. Matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. J'aurais pu attirer la chose avec moi. Puis faire péter ça dans la face. Mais en tout cas. C'est quoi ça? C'est-tu considéré une bête ou un monstre? Mère Bexira. Nous avons les calamités en horreur. Ce n'est pas un secret, mais il y a pire encore que ces petites teignes. La chose qui les engendre. Si les calamités naissent avec l'odeur qu'on leur connaît, il n'est pas difficile d'imaginer l'épreuve olfactive que constitue leur mère. Le plus malheureux, c'est que les tuer déclenchent une éruption de calamités plutôt que de nous en débarrasser. Des créatures définitivement pénibles. Ça se voit le dessin par-dessus, c'est quoi, mais. Le pacte avec Asgard. Pourquoi ils t'en veulent? Je les ai conduits à leur exploitation. C'était leur choix. Creuse ou crève, ce n'est pas un choix. Je l'ai seulement présenté comme tel. Mon frère,
Avant de partir, nous devrions peut-être jeter un coup d'œil à ce que la tour a extrait. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Armure parfaite. On verra, on verra. Ça, c'est une des trois tours de fête. Afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance ? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. Deuxième plage est là. Ou troisième plage est là. Mon Dieu. On explore. Comment une plage ici? C'est quoi ça? C'est ça? Morte. Morte. C'est une jolie sculpture de dragon. Qui rêve du dragon. Je sais pas si c'est quelque chose à faire ici, mais... Oh, c'est quoi ça? Ah oh, oui, je me rappelle des autres. Place de combat, en tout cas. Il s'accroche au mur. On doit le faire tomber.
l'autre chien bizarre. Hein. Qui on a deux plages qui sont connectées ensemble. Des seaux à détruire. Il y a sûrement un dans le dragon, quelque chose de même. Parce que je pense que c'est un dragon. Comme l'autre bord de tout ça. J'aime la statue de dragon, elle est nice. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Nouvelle rune déchiffrée. Retiens ton souffle. Cet avertissement s'adresse-t-il à ceux qui respirent l'air pollué de la baie ou à ceux qui voudraient dire du mal d'Odin? Probablement les deux. Je vois quelque chose. Il n'y a pas trop de ça, Zelda. Une autre pomme. Un sur deux. Ok, c'est lui qui s'est juste caché. Ça c'est fait, on peut monter un petit peu plus la berge.
Qu'est-ce qu'il fait, lui? Fais une pause avant d'aller voir Durlin? C'est bien. Tu peux être... excessif. Ça me sera utile. Je créerai tout ce que tu voudras. Les pauvres. Combattre les As est une tâche ingrate, comme vous le savez. Moi, ce que j'ai, c'est ça. 27-8. Arborer fièrement. Plus de défense, par exemple. Il me faut du fer forgé, j'en ai pas de ça. Prends soin de ton armure et elle prendra soin de toi. Où est-ce qu'il y a ça? Peut-être une deuxième tour, je sais pas. De guet. Point d'interrogation, ça faisait quoi ça? Tour de guet non découvert. Peut-être un corbeau. Non, il est encore là. Quoi? L'île près du geyser. Nous devons y récupérer la clé et ouvrir cette porte. Nous devons. Je dois réparer une trahison que j'ai commise. Ok, quelque chose au bord de ça, faut que j'aille sur l'île. Pas les autres. Il est rapide.
le jeu est rough. Non, okay, c'est moi qui joue pas bien, je sais pas, là. Il y a quelque chose que je fais pas comme il faut. Clairement. J'ai de la misère en estifie. Il y a un corbeau. Je sais pas où. Il y a un corbeau. Misère, un petit peu misère. C'est pas faisable les assises de combat à ce jeu-là. Il y a plus de Dark Souls que d'autres choses. Là. Mais vie à part, comme ça se peut pas. Débarrassons-nous de tous ces morts vivants. Il est rapide! N'importe quoi. Tabarnak! C'était de quoi?
C'est comme notre... T'as un... quatrième boss qu'on a fait. Il est où le maudit, là? Je l'entends, mais je le vois pas. Il vole-tu autour de nous autres? Ah, il est là. Bange de l'impératrice maudite, accessoire de l'âme. Poussière de royaume. Un étincelle de chaos, amélioration d'armes. Tour de guin n'est pas n'a pas rapport avec la quête la side quest que je suis en train de faire. Mais non, c'est ça, c'est des. Ok. Des pots de scorde. Okay. Mais ça donne plein d'affaires très intéressantes, par exemple. On a plein d'affaires qu'on a vues aussi. Des Tadzelworm. Peu s'aventurent sur les terres de ces vermines souterraines. Et rares sont ceux qui en échappent. Pourquoi qu'il y a un genre de saut dessus? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que. Pourquoi il y a un dessin de ça, je comprends pas. C'est comme si... Ok, là il est disparu. Je comprends pas. C'était comme si la bombe était là tout le temps. C'était bizarre. Ok, donc... Ils sont sûrs qu'ils plongent dans le sol comme un poisson dans l'eau, attendant qu'un malheureux kidam pose le pied au mauvais endroit. Leur queue à pointe perce aisément la chair pour injecter leur venin. C'est une expérience des plus exécrables, rendue pire encore par l'espèce d'espièglerie sadique qu'ils affichent lorsqu'ils jouent avec leur proie. Lancer la hache pour les geler et les empêcher de s'enfoncer sous terre. Se lancer à l'attaque d'un Tazwellworm qui s'enfonce dans le sol l'empêche de creuser pendant un court instant. Tazawa maudit. Avec l'expérience, nous avons tous établi que l'épithète maudit impliquait une dose de poison. Non, inutile d'en rajouter. Le crachat de Tazawa maudit c'est venimeux, même, et venimeux même sur le sol. Car, monstres primordiaux, des drogues. C'est difficile à concevoir qu'on se trouve face à une masse de roches et de feu qui nous charge en grognant. Mais tous les drogues étaient autrefois des humains. Certains étaient des guerriers avides de gloire tombés au combat. D'autres étaient humbles fermiers qui ont tenté de défendre leur maison de bandits et d'autres canailles.
le trait commun qui a scellé leur destin, c'est leur refus de plier, même dans la mort. Par même la promesse du Valhalla ou de Forvang n'a su les faire céder. Au lieu de cela, ils ont combattu les Valkyries venues cueillir leur âme. Ce sont leur entêtement et leur rage qui les ont ancrés aux terres sur lesquelles ils sont tombés. Ils leur ont donné cette apparence difforme. Ils n'ont même plus rien d'humain. Tout ce qu'il leur reste est une infinie soif de combattre. Les drogues combattent avec des redoutables armes, mais ils ne sont pas particulièrement doués dans leur maniement. Les observer devrait vous permettre d'esquiver ou de bloquer facilement les attaques. Les drogues standards ne sont pas spécialement forts ou rapides, donc ton arsenal de coups de pause devrait suffire. Blocage, esquive, découpage en tranches. Puis on a... pas mal de... Je pensais qu'on avait eu la maudite folle, mais... Bessel qui nous a tués, qui nous a tués effectivement, plusieurs fois même. Fait que là, arme. On a quelque chose. Lame du carreau. On a accessoire de lame. On a. Mange de l'impératrice maudite. Chance faible à chaque coup. Chaque coup de lame doit être une augmentation de force et de pouvoir unique. On l'équipe. L'autre affaire que j'ai ramassée, c'était quoi? C'était un morceau, je pense, de... Vous venez ici pour la clé. Que cache cette porte? Une prisonnière, en quelque sorte. C'est pas son ami? Moi, je suis arrivé par là avec mon bateau. Je peux peut-être upgrader quelque chose. Sindri. Si vous allez autour de Forage, dans la baie, vous pouvez me ramener des scories? Je pourrais en avoir besoin pour un projet. Que puis-je faire pour toi? Il a l'air vraiment intéressant, celle-là, par exemple. Mais il me manque un peu de fer. J'en ai juste 7. Rien ne te ferait plaisir? Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée? Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les As? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Oh, y a-t-on à explorer ici? Ça fait
fait du bien de sortir un peu de Midgard, n'est-ce pas? J'étais sûr que j'avais entendu un... Oh! Pas ça, hein? Derrière toi! Dans les airs! Regarde! À droite! La baie, ça! S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber! Allez, Kratos, debout! Ok, je pense que je vais arrêter ça pour voir ce soir, là. On va arrêter l'épisode ici, là. Tabarnak, le jeu est difficile, c'est incroyable. Je me rappelais pas que j'avais tant de misère avec ce jeu-là avant. En tout cas, le premier. Anyway, on va arrêter ça là. Je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.